Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 273 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à, attention les yeux, Angry Arrows. Angry Arrows, et en plus on vient de voir qu'il nous conseillait de jouer avec la manette il nous conseille d'y jouer quoi avec. Donc, press any bouton. Je sais pas si dans les options on peut choisir du français, ça m'étonnerait. En tout cas, j'ai la V-Sync, je suis full screen, les particles sont high. Aïe gros. Et on va pouvoir jouer. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Voilà. Et je vais devoir faire une pause dans cette vidéo. Une seconde. Et nous revoici pour cette vidéo. C'est juste que j'avais un gâteau au four et donc j'ai dû aller le chercher. Alors on est reparti pour cette vidéo. Donc je me mets en mode... on peut jouer à plusieurs apparemment. Apparemment si on a plusieurs manettes. Puisqu'il y a des... pour joindre, il y a soit espace, soit la touche start de la manette. Et je me voulais voir où il faut aller à un Colosseum Rogue Arena. Campaign. Ok, bah on va jouer en mode campagne de ce jeu. Je ne sais pas du tout ce que ça désigne. Alors... Ah ok, il fallait faire start avant. Level sélection, bah 1. Level 1. Bootcamp. Use L to move. Oui, donc ça c'est mon stick gauche. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ce jeu? À quoi je suis en train de jouer? To roll. Ça c'est pour rouler. To shoot. Est-ce que j'ai une infinité de flèches? Putain. Comment j'ai touché le... Alors, quel est le but de ce jeu? Wacon! Oh, Wacon! Oui, j'ai compris. Yo. Comment ça joue sur les réflexes, quoi? Hop, on a récupéré une clé. Je vais aller délivrer. Hop. Est-ce que je peux la tuer? Oui. Sauf que j'ai perdu du coup. Donc, on va recommence. Yep. Ah, c'est un jeu, c'est trop bien. En plus, c'est rapide à jouer. Yep. Ah oui, je comprends pourquoi c'est highly recommandé de... Hein, de jouer avec la manette. Donc on va pas la tuer parce qu'elle était toute contente qu'on la sauve, la personne. Et que si je la tue, c'est pas bien. Et oh, the rope, succès déverrouillé. Tout continue. Level 2, search and destroy. Ok, donc ça c'est des mines. Voilà. Search and destroy. Bon, je vois vraiment pas quoi ça peut servir de shooter les machins, mais bon tant pis, c'est joli. C'est sympa. Est-ce que je peux taper dans les... Oui. Dans les trucs comme ça, oui. Ok, donc je suis mort. Je l'avais pas vu venir celui-là. Level 2, search and destroy. J'espère qu'il n'y en aura pas 3 milliards des ennemis. Affini, hop. Oh putain, il m'a tué aussi. Hop. Search and destroy. Allez. Allez. Putain. Ah, il faut apprendre à esquiver, On esquive, on esquive. Allez, vas-y. Toi, je te tue. Je t'ai dit que je te tue. Oh, le salaud, comment il a bien visé. Alors que j'esquive et tout, il a bien visé. Ah, mon dieu, c'est super dur en fait, c'est super dur à jouer. Heureusement que je suis en mode campagne et que c'est le début. Oh putain, comment je les ai démontés de loin sans même le voir quoi. Si je suis pas un PGM avec ça mon gars. Yo, yo,
Est-ce que je me noie si je vais dans l'eau? Je vais pas essayer. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un à délivrer quelque part? Oh putain, il y a encore un ennemi là. Ok. Là où j'aurais pu continuer. Et ben, y a quand même quelqu'un de. Il y avait quand même quelqu'un de prisonnier là en bas. Je remarque à quel point ils sont très très forts, mes ennemis. Je me demande si on se fout pas de ma gueule. Je vais essayer de jouer avec le clavier. C'est possible ou pas? Non. Voilà, en fait, voilà. Donc c'est recommandé, mais c'est normal parce qu'en fait, on peut pas jouer sans. Est-ce que je peux aller dans l'eau là? Ici, par là. Ouh! Oh, mon ennemi a explosé, sauf que c'est... je suis mort quand même. Bon, est-ce qu'on va arriver à avancer? J'aimerais bien arriver à avancer. Ouh, tout à l'heure, j'ai traversé là. Ouais. Ouais. Va falloir s'improviser là parce que c'est un peu le bordel. Ah, je peux viser avec cette touche là aussi. Ça, c'est bien ça. Oh, mais sans déconner! Sans déconner! J'ai pas le temps de bouger et je me fais détruire. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est pour ça, j'imagine que ça doit être sympa quand on est à plusieurs. Hein. Parce que là, bordel, quel merdier. Ouh, je l'ai eu. Ouh, je l'ai eu. Ouh. Hop, je délivre mon pote. Ah putain, faut aller chercher. J'espère qu'il va pas marcher dans une mine, ce trou du cul. Allez, allez, hop. Allez, allez, viens avec moi. Allez, 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 allez. Comment je les ai tués? Ah, oh, je suis trop content de moi, un truc de fou. Allez, on est parti avec mon pote. Wow, mission accomplished. Level boot. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça pue, ça pue. C'est quoi ce machin qui vient de me courir après? C'était pas une mine, c'était une bestiole. Ok, voilà, en plus là, je vois pas où je tire, du coup c'est trop bien. Oh, mon dieu, que ça va être dur. Que ce jeu va être dur. Voilà, faut tirer à l'aveuglette en fait. Hein. Donc par contre, les araignées, je vois pas comment je peux les éviter. À part leur tirer dessus. Alors moi je le touche pas, par contre lui il me touche tout de suite. Hein. Ouh que je suis mauvais sur ce jeu. Ouh que je suis mauvais, ou alors c'est un jeu fait exprès, qui est fait exprès d'être dur. Il y a aucun autre moyen de leur échapper. Hein. Il y a aucun autre moyen de leur échapper. Voilà, vous en tuez une, mais vous en arrivez pas à en tuer l'autre. Et puis ça recommence à chaque fois. Je crois que ce jeu n'est pas fait pour moi. Et que je suis pas assez bon pour ce jeu. Parce que dans tous les cas, elle explose, l'araignée, peu importe si tu la tues quand même. Si tu la tues devant toi, c'est trop tard. Oh putain!
Ouh là, c'est moi qui fume. Voilà, level 3. C'est bien, on peut recommencer tant qu'on veut. Il y a un peu les débris d'avant qui sont restés, mais... Comment je vais pour passer, moi, du... Ouais, les araignées courent trop vite. Putain, comment ils visent bien, quoi. Les mecs devraient jouer dans Star Wars, hein, ils sont bien plus forts qu'un Stormtrooper. Ok, donc elle a démonté les deux personnes, l'araignée. Voilà, et quand vous essayez de la voir... Anger issue. Ah là, d'accord. C'est là quoi, c'est que je suis mort 50 fois ou... Je crois bien qu'on va vite s'arrêter sur ce test. Je crois bien que ça va très vite tourner court. What, salope? Espèce de grosse salope d'araignée de merde. Et si je faisais le tour au lieu de passer par là? Ah, je peux pas. Ok, je suis obligé de passer par là. On est au level 3 quand même. Et si on était plusieurs, ça serait bien. Ça serait peut-être moins dur à jouer. Ça serait peut-être moins dur. Je ne sais pas. Donc là, voilà, je suis mort parce qu'elle était trop près de moi. Hein? Voilà. Mais je m'améliore, hein. Ouais. Bon, bah, sinon, bon, bah, graphiquement, c'est un jeu en pixel, hein, mais il est pas vieux. Bon, voilà, allez, on va arrêter là. Je crois bien qu'on va arrêter là. Il faut être plusieurs. voilà, c'est la seule explication que je trouve. Faut être plusieurs, je joue le jeu. Parce que putain de bordel de merde. Quitte. Voilà, Angry Arrow, c'est les flèches énervées. Voilà. C'est un jeu qui demande. Il y a une ligue là qui me fait une annonce. C'est un jeu qui demande un peu d'habileté. Voilà, et de réflexes. Beaucoup, beaucoup de réflexes. Et je pense qu'il faut au moins être en coop, au moins à deux, voire plus, parce qu'apparemment on peut être à quatre. Pour que ce soit intéressant comme jeu, en tout cas pour l'instant, c'est tout seul, c'est vraiment hardcore parce que t'as pas le choix, tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences, une flèche, tu recommences, c'est les araignées qui te courent après, t'en as une qui touche, tu recommences infiniment, ou alors c'est un jeu qui est fait pour être hardcore. Dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Joanne, salut.